Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus et on va essayer de monter notre métier de tailleur niveau 200, sachant que je suis déjà à 150. Et c'est simple, la technique que je vais utiliser c'est de faire chaque fois l'item que j'ai par level et de le briser. Et Inch'Allah, j'ai des bonnes runes. Donc on va bien voir, on va commencer tout de suite. Bon, sachant que je vais pas faire en une seule fois du niveau 150 au 200. Là j'ai 6 millions. Ah. On va dire 6 millions. Putain, j'ai voulu faire les choses bien, merde. Oui, j'ai les 20 mal, putain, chier. Bref. C'est 6 millions. Donc là, on va peut-être gaspiller ces 6 millions et on verra pour une partie 2 ou quoi, je sais pas. On verra bien. Donc, on va commencer tout de suite. Avec quel item? Les items de Noël. Du Noël cauchemardesque. Et bien là, je vais faire les deux items et on va voir ce que ça va donner. Donc bon, je vais les crafter et on se retrouvera après. Hein. Ok, j'ai mes ressources pour mes deux items. On va aller directement à l'atelier des tailleurs. Allez, premier item. La cape. Et attends. Quoi? Que j'ai vu. Okay. La cape. Et ça dégage. Putain, il y a encore plein de trucs à faire. Il y a trop de choses. Déjà, on va essayer de briser ces deux items. Bon, on va prendre de la vie, c'est ce qui se vend le mieux, je pense, dans tout ce qu'il y a. Bah, écoutez, c'est rentable. Nickel, j'ai pas usé 240 000 là. J'étais à 6 millions. Ah, ah ça se vaut. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, mais j'ai crafté deux items. Il est pas con le bestiau. Allez, c'est le deuxième. Non, non, ça manquait. Autant pour moi. Bon, j'ai quand même eu de la vie. Bon, ben, sur les deux items, pour le moment, je me suis quand même remboursé. 40 000 kama de bénéfices, on va dire, c'est pas négligeable. Ah merde, faut enlever ça. Ouais, je me suis remboursé. Ok, ce qu'on va faire c'est que je vais aller voir ici, je vais prendre plusieurs items, je vais afficher leur craft dans le, je sais plus comment il s'appelle, il y a un site, bref, brisage, je sais pas quoi là, qui permet de voir tout ce qu'il nous faut pour plusieurs items. Donc je vais en prendre quelques-uns, je vais prendre toutes les ressources, je vais les craft et on se retrouve juste après. Bon, il devait y avoir 4 items, sauf qu'il y en a un où il fallait 12 touffes de flib là, sauf qu'il y en avait que 10 en HDV et en banque j'en avais pas. Donc il y a un item qu'on met de côté et soit on le craftera plus tard, soit tant pis pour moi. J'ai acheté les ressources de toute façon. Bon, je pense qu'il y en aura deux en HDV d'ici quelques temps. Donc je le crafterai quand même pour voir. En attendant, on va quand même craft nos trois autres items. Ok. Niveau 154, on va commencer par celui-là. Celui-là, honnêtement, je pense qu'il va nous faire perdre la vie. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. 60, 100. Ouais, j'ai pratiquement remboursé l'item. Ça, ça va. Après, on va commencer par celui-là. Là, on va prendre le PM, normal. Et ça, c'est good, je pense. Alors, ça, je l'ai payé que 200 000, je me souviens. Ok, 210, 220, 280. Ouais, ok, 300 et quelques. À tout casser, donc... Sur celui-là, j'ai fait une bonne affaire. Et le bonnet KO,
PA 204. Ah, bah ouais, non. Déjà rien que ça, je l'ai payé 200. Ok, bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. Pour le moment, je me rembourse. Je pense que je me rembourse. Juste les runes. J'ai 1 million 91. J'ai perdu un peu, mais ouais, parce que j'ai l'item. C'est l'item que j'ai pas pu faire. Mais bon. Donc ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais, j'allais repartir, mais attendez. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc on va refaire comme tout à l'heure. Je vais prendre quelques items. Je vais les craft et je vais les briser d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup. Bon, on se retrouve quand j'ai mes ressources. Allez, j'ai de quoi faire mes 4 items. On les fait tout de suite. Et c'est parfait. Vaut 158. Alors, on va garder celui-là pour la fin. Parce qu'il y a un PM. Allez. Alors lui, la vie, c'est ce qui est le plus facile à vendre en plus. 160 000. Aïe, je crois que j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu un peu. Pas énorme. Ça va, ça passe. Ça aurait pu être pire. Rosia. Je pourrais essayer de la porter, mais bon. Bon. Je crois que là, ça passe. Ouais, 500. Ça passe large. Ça, c'est good. Ça, ça me rembourse pas mal de choses, je pense. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il va falloir que j'aille à ma banque bientôt. J'ai plus de place. Ok. Donc cet item, je suis très content. Hop, toujours la vie. Ça, je pense que c'est pas trop mal non plus. De 400. Ah, perdu avec celui-là. Perdu un peu, 50 000. Mais toujours bon parce que avant j'ai eu un gros item. Vraiment cool. Et le dernier de cette série. PM 234. Aïe aïe, je pense que c'est pas top. Ouais, j'ai perdu encore 100 000 Kama, je pense. Ok, ok, bon. Déjà pour le moment, rune, j'ai 3. Oh yes. Putain, l'item d'avant là, il m'a refait. Je me suis remis à jour. J'ai 300 000 de bénéfices pour le moment. 300 000 Kama. C'est good. J'ai surtout beaucoup de runes de vie. Ça me ferait chier. Putain, j'ai pas envie de les mettre à la banque. Ça va tout fausser. J'ai envie de voir à la fin de cette session en tout cas. Combien j'ai. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est ça. On va passer le plus possible. Oh putain, je pourrais être que 3000. Notre solution. Ce que je vais faire, c'est, je vais noter sur une feuille où j'en suis donc. Hop, je les ai notés, je vais aller mettre ça en banque. 3 220 158 valeur estimée. Ok. Ah. Ça vide. Alors, rebelote, je vais choisir des items. Oh putain, ces masques là, c'est... Je sais pas, je suis pas fan. On va voir. Bon, bref, je vais prendre des items, là il y en a beaucoup. Donc je vais voir. Et on se retrouve juste après. Allez, on a nos 5 items à crafter. Ça fait plaisir. Alors, en vrai, je pense que je pourrais XP plus vite et peut-être moins prendre de risque de perdre de Kama si je faisais un item par niveau en fait. C'est même sûr, mais bon. J'ai envie d'essayer un peu tous les items en gros à briser
Et voilà, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il y a le temps. Alors, pour le vaudou, on va prendre de la portée. Et c'est vraiment pas bon. Aïe aïe, à oublier cet échec. Maître Zotre égale moi 364. Ah là je dois être dans le truc. Je dois me rembourser. Hop là. Ok, 276. Ouais ça je pense que ça passe. Genre je pense que j'ai gagné quelques kamas. Genre 10 000, 20 000. Ça rattrape les petits échecs des sur les autres items. Ok. 280. Là pareil, je suis à peu près dans... Je suis à peu près rentable, enfin remboursable on va dire. Donc ça passe. 6 millions de, un truc comme ça, je suis encore rentable. Et oui, ça régale, il me reste 1 million 7. Donc je vais voir ce que je fais avec ces 1 million 7. Bon, je devais faire 3 items, sauf qu'en HDV il n'y a pas tout. Il manque 7 items et celui-là, ouais, je n'ai pas assez. Donc du coup, je vais faire que celui-là. Je peux en faire deux. Pourquoi je peux en faire deux, tiens? Enfin, je vais pas en faire deux, genre... C'est bizarre. Bon bref, je vais en faire qu'une. Et à moins que ça se vende vraiment très bien. Suspense. 198, 13, 20, 140, 160, 270. J'ai encore perdu un peu. Mais bon. Je suis toujours dans le remboursement. Ça passe. Ça passe, ça passe. Bon. Alors voyons ce que je peux faire. Bon, j'ai le dernier item qu'on va craft pour cette session. Cet item il a coûté très cher et en plus de ça j'ai tout pris en double. Parce qu'en fait sur mon site que j'utilise pour avoir les recettes, et eh ben à chaque fois je mettais deux fois les items, enfin certains, genre celui-là c'est ça me fait pareil, j'ai mis deux fois sans faire exprès. Donc bon, ça fait un peu mal. On va le craft une seule fois. Et je vais voir combien il peut rapporter ou combien il peut faire perdre. Voyons voir. Alors, brisé. J'ai très peur. De la vie. Bah, je suis en perte. Je suis en perte. Ça c'était plus de 1 million le craft. Donc c'est un peu de perte encore. Donc c'est chiant. Enfin se le dire, c'est un peu chiant en gros. Bon, c'est chiant. Bon après, on augmente. Là c'est pour vraiment augmenter le métier. Parce qu'il y a des items genre qui sont mieux à revendre à l'HDV ou quoi. Ou à améliorer avec des runes et tout ça. Bon. Donc même si on perd un peu de Kama, c'est pas bien grave, c'est pas un drame. Ce qu'il faut c'est monter en essayant de stagner sur ces Kama. Donc bon. Sachant que là... Alors en rune, j'ai 2 millions 3. Et... Ouh, pardon. 2 millions 3, j'avais 3 millions 2. Donc ça fait 5 millions 7. Oh bah ça passe. 5 millions 5, ouais 5 millions 6 plutôt, on va dire. 5 millions 6 en sachant que... Bah, j'ai un craft qui coûte 1 million. Donc rien que ça déjà, ça me rembourse. J'ai un craft qui coûte 1 million, effectivement. La galère. Faut que je revende tous ces trucs là, ça, là. Putain. 466 000. Voilà, ça j'ai acheté, hein, c'est parce que j'ai acheté en double sur le dernier item, et c'est chiant. Et j'ai deux ou trois items
en cours de fabrication où il me manque deux ressources. Enfin, une ressource en deux fois quoi. Genre, donc j'ai ça où il me manque trois trucs comme ça. J'ai ça où il me faut ces deux cœurs, mais que en fait en HDV, unités ils sont à 300 et quelques mille, donc c'est mort. Attends que ça baisse. Et il y a ça où il me manque pareil, deux trucs, donc 20 000. Donc c'est super chiant. Donc faut attendre ça. Donc je suis plutôt pas mal. Au final, je suis plutôt pas mal. Je pensais que j'étais pire que ça, mais non. Donc je vais commencer à vendre des runes parce que j'en ai tellement du coup. Je vais en mettre en HDV et petit à petit ça va s'écouler, ça va me rembourser et on pourra continuer à monter notre métier. Donc c'est terminé pour la première partie de cette série. On se retrouve la prochaine fois quand je me serai refait un peu parce que là c'est la crise. En attendant, bisous tout le monde, portez-vous bien, salut salut.